Premier grand débat ce soir entre les candidats démocrates à la présidence. Et vous êtes nos yeux et nos oreilles aux États-Unis. Quel candidat on doit surveiller particulièrement? Bien, en principe, Sophie, on devrait surveiller Joe Biden, l'ancien vice-président, et Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, les deux qui sont au sommet des sondages. Sauf que les démocrates ne se sont pas facilité la vie, Sophie, avec 20 candidats qui ont réussi à se qualifier pour ce débat-là. Donc, ils ont divisé ça en deux soirs, 10 ce soir, 10 demain, complètement au hasard, ils ont tiré des noms. Et la chanceuse dans tout ça, c'est véritablement Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts, parce qu'elle se retrouvera ce soir entourée finalement de candidats relativement mineurs. C'est sûr qu'ils n'aimeraient certainement pas être appelés ainsi, mais ils ne décollent pas dans les sondages. Les deux principaux parallèlement à elle, sont Beto O'Rourke, dont on parle souvent, l'ancien congressman du Texas, et puis Cory Booker, le sénateur du New Jersey. Alors, c'est elle qui devrait avoir la chance ce soir de se démarquer. Elle a de très nombreuses idées. Aujourd'hui, par exemple, elle s'est rendue dans un centre d'accueil de migrants pour dénoncer justement l'attitude de l'administration à l'égard de ses familles et de ses enfants en particulier, qui sont pris dans des conditions comme s'ils étaient des détenus, des criminels. Écoutez-la. These children did not commit a crime. These children pose no threat to people here in the United States of America, and yet they are locked up for weeks, for months, because our government is following a policy of inflicting maximum pain on families that flee here trying to build a better life. Alors, encore une fois, Sophie, on doit s'attendre à ce que Elizabeth Warren marque le coup ce soir, fasse en sorte qu'on l'aperçoive comme la candidate la plus crédible. Et puis, demain soir, ce sera un tout autre tableau. Je vous rappelle donc que ça commence à 21h. C'est un débat de 2h. Ça se passe à Miami. Et puis, je vous résume ce qu'on sera capable de résumer pour ce qui est de la première heure au bulletin de 22h ce soir. Voilà. À plus tard. Merci, Richard.